Bonjour. Donc voici une petite serre que j'ai construite. Donc elle fait 10 mètres de long par 3 mètres de large. Donc c'est une ossature bois. C'est du chevron du 5 par 7,5. Ce qui fait les voûtes, c'est du PE de 50, du PE de flotte. Donc on va aller voir dedans. Voilà. Donc porte, j'ai fait une porte de 1,20 m. Donc comme on peut voir. Voilà. Donc ossature bois. Ossature bois. 5, du 5 par 7. Des équerres au pied pour renforcer un peu l'ensemble. C'était surtout par rapport à la prise au vent. Tu es obligé de remettre des renforts en haut parce que je pense que. Ça bougeait un peu quand même. Bon là, après c'est un ensemble quoi. Voilà. Où il reste à barder les bouts. Il reste juste à barder les bouts. La bâche elle est ancrée dans le sol et on a remis des ficelles par-dessus pour éviter que la bâche flotte au vent. Voilà. On a reposé sur des dalles de 50-50 que j'avais en stock, coupées en bout pour éviter que le bois pourrisse trop vite. Voilà, ça porte dessus. Après, j'ai un système de trappe vérin de serre automatique là, qui seront posés, je pense, dans cet encadrement-là. Un ici, un autre là. Et en face pour faire une circulation d'air. Bon, c'est le sol n'était pas trop droit et c'est un peu de travers, mais bon, je pense que ça fera son utilisation. En coût, ça m'a coûté. Allez, en ossature bois. En ossature bois, je n'avais pour à peu près 300 euros. La bâche, c'est une 10,50 m par 8,30 m, donc elle est ancrée de 50 au sol. Je l'ai payé avec les deux bouts, avec les fermetures, je n'avais pour 170 euros. Et bon, là, c'est le PE, c'est de la récup, c'est que du PE de récup. Bon, après, tout ce qui est visserie, vis, boulon, il me reste les vérins, c'est de mémoire, c'est 25 euros le vérin, j'en ai pris 4, ça fait 100 euros, vérin d'ouverture. Puis les ficelles, les gonds, ouais, c'est à peu près un coût de 9, 8, entre 800 et 900 euros pour 30 mètres carrés. Voilà. Je pense que je ferai une allée centrale. Il me reste des dalles 50-50, parce que je ferai une allée centrale au milieu. Et après, ça sera juste à passer un coup de motoculteur dedans pour parce qu'on a pas assez piétiné, c'est un peu tassé quoi. Donc voilà la serre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. J'essaie de vous répondre par rapport aux sections et puis des questions diverses quoi. Allez, bonne journée.